lis ensemble. Il dit, or, quand il eut achevé tous ses discours, le peuple l'entendant, il entra dans Capernaum. Et l'esclave d'un certain centurion lui dit, à qui il était fort cher, était malade, et qu'il s'en allait mourir, verset 3. Ayant, oui, parlé de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, le priant de venir sauver son esclave. Verset 4. Étant venu à Jésus, il le priait instamment et disait, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et nous à lui-même et nous a lui-même bâti la synagogue. Et Jésus alla chez eux, avec eux. Et déjà, comme il n'était plus guère loin de la maison, le centurion envoya des amis vers lui, disant, « Seigneur, ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il dit, « C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d'aller vers toi, mais dis une parole seulement, et mon serviteur sera guéri. » Verset 8. « Car moi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui. » On nous dit « sous l'autorité d'autrui. » Sous l'autorité d'autrui. Sous l'autorité d'autrui. Car je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va et il va. Et à un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais cela, il le fait. Et Jésus, ayant entendu ces paroles, l'autre verset, il dit, l'admira. Que bon Dieu bénisse verset ça, yo, pour édification. Chacun de nous, qu'on y a regardé texte, phare nous, texte central nous, pour 12 soirées de gloire ça, yo. Eh bien, Galates, chapitre 4, le verset 7. On nous toutes lit ensemble. Hallelujah. Yes. Ainsi, vous n'êtes plus esclaves, mais fils. Et si vous êtes fils, héritier, vous êtes donc héritier de Dieu. Depuis pendant 12 nuits, là, on a parlé de. Thème, c'est de l'esclavage à l'héritage. Et me sentiment d'âme, c'est préparer pour capable entrer, eh bien, en 2020, hein, pour recevoir héritage ou dans bon Dieu. Même de dire comme ça que pour recevoir héritage ou, faut yon fils. Parce que verset nous dit que nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier. Si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier. Donc, qui est extrêmement important. Ou héritier sous fils. Donc, si nous disons passer de l'esclavage à l'héritage, cela veut dire faut nous des fils. Mais il n'y a pas qu'à moi te dire, être fils, c'est une mentalité. C'est une façon de penser. C'est une façon de fonctionner. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Être fils, c'est façon de penser, c'est façon de raisonner, c'est façon, eh bien, ou parler. Alléluia. Donc, nous parler de ça. Il faut avoir une mentalité de fils. Donc, nous déjà enseigné sur mentalité de fils. Avant hier soir, moi, je te dis que le fils a le sens de la famille. Une bagay qui différencie le fils de l'esclave, c'est que l'esclave n'a pas de sens de la famille. Puisque l'esclave n'a pas levé avec famille, la loi pas de permettre que le marié, la loi pas de permettre que le gué madame ou que le gué mari, le livre en esclavage,
li font bon, madame li font bon, petite li font bon, etc. Li pa gagne sens de la famille. Elle-même peut fonder famille. Parce que dernière fois que li te gagne, eh bien, yon famille li te divisé de manière brutale de sa famille. Donc, li vin gagne te enseigne yon peur de l'attachement. Li peut attacher à tout le monde pour ne pas blesser à l'intérieur. Donc, l'esclave n'a pas de sens de la famille, mais le fils a le sens de la famille. Hier soir, nous t'ai gardé un autre aspect qui était important, n'est-ce pas? Nous t'ai dit, l'esclave n'a pas le sens du service, mais le fils a le sens du service. Esclave l'a fait ça, le fait, parce qu'il a forcé le fait. Mais fils l'a pris plaisir pour l'observer l'autre monde. À soi, hein? Nous allons regarder un autre aspect rapidement de la mentalité du fils comparativement à l'esclave. C'est que le fils, n'est-ce pas, il a le sens de soumission. On nous dit soumission. On nous dit ça plus fort. On nous dit soumission. Dis-le plus fort encore. Dis soumission. Yon na bagay qui différencie yon esclave de yon fils, c'est que l'esclave est rebelle, l'esclave est désobéissant, l'esclave est insoumis, mais le fils lui-même, lui prend plaisir pour le soumettre. Donc, le nous entrer dans la position d'esclave, celui qui est esclave vit dans la désobéissance. Celui qui est fils vit dans l'obéissance. Donc, le Adam t'a vivre en tant que fils. Bon Dieu t'a dit, pas manger du fruit défendu. Eh bien, il croit l'Éternel et il suit ça, l'Éternel t'a dit. Dans l'époque, ça t'a fonctionné comme fils. Mais du moment que le prend fruit défendu, il désobéit de l'Éternel. Eh bien, Kounial tombé dans la position esclave. Parce que la Bible dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc, l'esclave, lui fonctionnait dans la désobéissance. Tandis que le fils, lui-même, lui fonctionnait dans l'obéissance. Et yon nan bagay, comme te dit, moi te dit ou kon sa que nous-mêmes, nous besoin goumer en pile contre la mentalité de l'esclavage. Parce que nous prenons mentalité de l'esclavage à deux côtés. Premièrement, nous prenons mentalité de l'esclavage d'Adam. Le fait que nous sortions d'Adam, nous déchus, li ba nous la mentalité de l'esclave. Parce que Adam t'est perdu position fils li, il tombait dans position esclave le jour que le péché. Et puisque moi et Mavo, nous c'est fils d'Adam, eh bien ça veut dire nous avons fonctionné avec mentalité de l'esclave que nous prenons main Adam. Même d'aller plus loin. Cette mentalité de l'esclavage que nous avons reçue d'Adam a été fortifiée par notre histoire. Puisque nous autres, en tant que peuple noir, surtout noir qui est en Amérique, nous avons vécu l'esclavage comme phénomène historique. Nous vécu l'esclavage comme phénomène historique, l'ivine renforcé. Donc, ça le gagne, c'est que l'esclave lit. Naturellement, l'esclave a naturellement une conception négative de l'autorité. L'esclave a une conception négative de l'autorité. Parce que moun ki sorti en Afrique là, li te sorti au Bénin, li te sorti au Ghana, li te sorti peut-être en Côte d'Ivoire, li te sorti en différents côtés, ou comprenez moins au Nigeria, etc. Et puis l'entrée ici comme esclave. L'elvini, l'elte dans le pays, l'ite libre, soit yal dans la guerre, et puis yon prend tribu, yon vanni, ou bien l'ite doué yon l'argent, et puis l'ite vanni, tête li en esclavage, et puis mette li vanni, ou bien seulement moun fait méchanceté, et puis yon kidnappé, yon vanni, et bien cet homme, après que yon fin vanni, première rencontre que le bral fait avec sa, la nouvelle autorité sur sa vie, première rencontre que le bral fait avec une figure d'autorité, esclave, la première rencontre
li fait avec une figure d'autorité, c'est colon blanc qui vient acheter là. Aussitôt que colon blanc finit acheter, s'il t'a payé avec une assiette faïence, s'il t'a payé avec un fusil, s'il t'a payé avec belle toile, cool fin payé. L'an li fin payé esclave là, premier bagage li fait, eh bien c'est que le prend un chaîne. Il prend chaîne, il met dans pied esclave là. Il prend chaîne, il met dans main esclave là. Il prend chaîne, il met dans cou esclave là. Et puis il commence à râler s'il t'a acheté 12. Et puis il commence à râler pour l'amener dans un bateau. Donc la première rencontre d'une figure d'autorité que l'esclave a fait, première fois le rencontrer avec figure d'autorité qui représentait dans la personne du colon blanc, qui sa colon blanc fait, c'est mettre une chaîne dans le cou, une chaîne dans le miel, une chaîne dans le pied. Conséquemment, l'esclave, et c'est même blanc ça qui bral patron, c'est même blanc ça qui bral boss li, c'est même blanc ça qui bral vend ni et revend ni et puis fait le travail. Et puis c'est moun ça que le relé chef, c'est moun ça que le relé boss, c'est moun ça que le relé seigneur, c'est moun ça que le relé patron, c'est moun ça que le relé responsable, moun ça le relé superviseur, mais moun le relé boss, patron, superviseur, responsable, leader, sont moun qui met ton chaîne dans coule, yon chaîne dans mel, yon chaîne dans piel, fouré en bas un bateau, al vanni, et puis l'elle rive, l'avec fouet cache, et puis la calèle, c'est ça qui te leader. C'est ça qui te chef. C'est ça qui te boss. C'est ça qui te patron. C'est ça qui te autorité pour lui. Conséquemment, même lorsque l'esclavage finit, donc à travers l'esclavage, l'homme, surtout l'homme d'une façon générale, mais surtout le noir, parce que je parle avec haïtien, à travers l'esclavage, le noir, l'esclave, gagne une conception très négative de l'autorité. Dès que vous dites autorité, il est chaîne. Dès que vous dites autorité, il est minote. Dès que vous dites autorité, il est fouet de cache. Dès que vous dites autorité, il est monde qui a fait lever à 5h du matin et il a dormi à 11h du soir. Dès que vous dites autorité, il est monde qui a joué le vomissement chien. Dès que vous dites autorité, il est monde qui a fait le mal manger. Dès que vous dites autorité, li wè moun ka fèl pase misère. Conséquemment, l'esclave a naturellement une mauvaise conception de l'autorité. Dans la mentalité de l'esclave, autorité signifie injustice. Autorité signifie barbarie. Autorité signifie maltraitance. Autorité signifie méchanceté. Donc, pour l'esclave, l'autorité, c'est quelque chose de très négatif. Donc, il n'y a pas de vraie autorité. Parce que la première fois, il était en affaire avec une autorité. L'autorité a été maltraitée. Il a fait le passé misère. Il a fait l'injustice. Il a été battu avec fouet de cache. S'il a couru pour te quitter place là, il a coupé pied. Il a coupé mail. Il a fait le boiteux. Donc, c'est figure ça que tu as gagné de l'autorité. Donc, dans la mentalité de l'esclave, l'autorité, c'est la personnification du mal. Dans la mentalité de l'esclave, l'autorité, c'est la personnification du mal. Ça veut dire, dans la mentalité esclave, là, dès que dit le boss, dès que dit le patron, dès que dit le superviseur, dès que dit le responsable, dès que dit le directeur, dès que dit le monde qui leader, etc. Même moment, li ouais, c'est le mal qui incarné et puis qui campe devant dans yon monde. Et puisque pour l'esclave, suivez-moi bien, on parle d'un bagage qui fort là. On parle d'un bagage qui fort. Puisque pour l'esclave, l'autorité, c'est la personnification du mal. Eh bien, tout le monde qui révoltait contre l'autorité sont héros. Où est comment la mentalité de l'esclave a fonctionné?
Puisque pour l'esclave, l'autorité, c'est la représentation du mal, c'est la personnification du mal, c'est l'incarnation du mal. Tout le monde qui campait contre l'autorité, ça veut dire pas bravo, c'est un héros. C'est ça que fait en Haïti. Une œuvre d'art qui plus symbolique pour la nation. Une œuvre d'art qui plus connue pour la nation. C'est une sculpture qui était faite par un homme qui aurait Albert Mangonès jusqu'à présent qui sous champ de Mars. Nous sommes l'homme des petits. Et nous avons fait promenade sous champ de Mars à Port-au-Prince. Et puis c'est toujours un plaisir pour moi, pour mal camper en face Palais National, le samedi qui est Palais National. En face Palais National, et puis une statue. Statue à son monsieur qui a genoux comme ça, il a un pied devant, et puis il a un pied derrière, genoux plié, et puis genoux droite la plié. Genou gauche là à terre comme ça. Et puis il gagne yon manchette. Il gon manchette dans mes droite li. Et puis dans mes gauche li, il gon lambi. Et puis dans pied gauche li, il gon chaîne qui pété. Yorele Neg Mahon. Neg Mahon, c'est la personnification de l'esclavage là. C'est le fait que me révolter contre autorité, contre blanc, contre ta femme passe misère, me lever avec une manchette pour me couper tête li. Puis, il y a un qui derrière, qui a une chaîne là-dedans, qui pète, c'est que je pète la chaîne là. Et puis, il y a un esclavage là. L'ambi a qui n'embouche moins, c'est trompette, peuple haïtien. Je m'a sonné loin, l'ambi, pour me dire tout le monde, révolte contre blanc, colomb. Donc, c'est une statue qui est plus emblématique, qui est plus symbolique de la nation. Donc, dans la mentalité de l'esclave, Neg Mahon, c'est un héros. C'est ça qui fait nous gagner sculpture là. Il y a quelquefois où il est le Neg Mahon, il y a quelquefois où il est le rebelle, etc. Eh bien, c'est ça qui gagne. Kounia, maintenant, pour qui ça m'explique tout ça? M'explique tout ça pour qu'à comprendre nous-mêmes en tant que nation, pour qu'à comprendre nous-mêmes en tant que peuple. Tout bagage ça yo fait, mais yo fait ça, ça font bon petit temps. Depuis en 1804, nous pétons les chaînes de l'esclavage. Nous sommes la première république noire dans le monde. Lorsque tout noir est en bas chaîne, lorsque tout noir est en bas menottes, yo te gen chaîne dans cou, chaîne dans main, chaîne dans pied. Eh bien, nous-mêmes, en tant que peuple, nous levons camper. Les États-Unis, avant que l'esclavage totalement éliminé aux États-Unis, l'esclavage totalement éliminé en 1865. Nous-mêmes, depuis 1804, nous avons pété chaîne l'esclavage. Non seulement nous pété chaîne l'esclavage, nous pété chaîne l'esclavage pour nous. Après ça, nous allons dans les Antilles, nous pété chaîne l'esclavage pour nous. Nous allons au Venezuela, nous pété chaîne l'esclavage pour nous. Nous allons en Bolivie, nous pété chaîne l'esclavage pour nous. Nous allons différents pays, dans l'Amérique latine, mais partout à travers le monde. Et puis nous bâillons ZAB, nous bâillons aide. Et puis pour esclavage pété un peu partout. Haïti joue un gros rôle dans renverser le système de l'esclavage dans le monde entier. Alléluia. Maintenant, tout ça, bien. Mais qui problème qui gagne? Problème qui gagne, c'est que après 1804, le nous pète chaîne de l'esclavage, nous pète chaîne de l'esclavage physiquement, mais mentalement. Mentalité que nous avons dans l'esclavage là. Les colons étaient là. Les nous fin pété chaîne yon dans pied nous, dans main nous. Mais nous pouvons pété chaîne yon dans pensée nous. Nous avons l'impression que nous avons besoin d'un lot
artiste qui pour ta fait yon lot nèg marron et cette fois-ci l'elle fait nèg marron li pas ta fait avec yon main yon manchette nan main droite li avec yon chaîne nan pied gauche li yon ta de refait yon lot statue de nèg marron yon ta prele nèg transformé li ta gon bible même et puis ta gon chaîne qui pété nan tête li. Ah, levez-moi en l'air, dit gloire. Levez-moi en l'air, dit gloire. Levez-moi en l'air, dit gloire. Parce que Bible m'a plié, elle dit ne vous conformez pas au siècle présent. Même temps, elle dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'évangile entre dans la vie, il change mentalité esclavage là. L'évangile entre dans la vie, ou pas penser comme esclave, ou penser comme fils. Moi, dit de l'esclavage. Moi, dit de l'esclavage. Moi dis de l'esclavage. Moi dis de l'esclavage. Donc ça qui passe, après nous fin prend indépendance nous. Blanc colon en pas là encore. Blanc colon en pas là encore. Commandeur là pas là encore. Moun kap bat nous a fouet cash. Pas là encore. Chaîne yo pas dans pied nous encore. Chaîne yo pas dans main nous encore. Chaîne yo pas dans coup nous encore. Mais même ancienne mentalité que nous te gain de l'autorité ya, les colons en étaient là. Même les colons en pas là. Et puis c'est avec frème, avec sem que m'a dit, c'est avec haïtien pareil moi que m'a dit, c'est avec net noir pareil moi que m'a dit, c'est avec moun pam que m'a dit, même lorsque colons en finale ancienne mentalité ya. Conséquemment, ça qui vient gagner, même le chaîne esclavage fin pété, conseil de mots depuis haïtien entendez l'ontigeant neuf, l'ontigeant bal problème. Depuis le temps des chefs, depuis le temps des maîtres, depuis le temps des leaders, depuis le temps des responsables, depuis le temps des superviseurs, depuis le temps des autorités. Gen moun, depuis le temps des mots ça yo, ou qu'on fait bien, qu'on fait mal, il y a fâché quand même. Ça qui fait ça, ce n'est pas nécessairement un lien que lié, mais c'est façon que yo pense. Même dit de l'esclavage. 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 Donc ça fait même mentalité que nous gagnons. Nous continuons à gagner toujours. Le nous t'es fait révolter, nous t'es révolté contre blanc. Après nous fin révolter contre blanc, qu'on y a continué à révolter une contre l'autre. So, yo vin gen leader yo, nous vin gen leader nous desaline. Même j'en ai révolté contre blanc, nous levé contre des salines, tout nous doux. Révolte, chaque gouvernement qui entre, chaque structure qui gagne, chaque sac qui bagaille, même j'en ai révolté, il était bon. L'un des premiers révoltés, il était bon. Mais l'on fait 200 ans à révolter, gros problème. Ça ne faut pas jamais qu'à un pays, ça ne faut pas jamais qu'à un gouvernement, ça ne faut pas jamais qu'à une structure, ça ne faut pas jamais qu'à une stabilité, ça ne faut pas jamais régler rien. Ça fait ça parce que mentalité de l'esclavage là a continué, même dit de l'esclavage. Dit de l'esclavage. De l'esclavage. Est-ce que nous connaissons que à peu près la moitié de gouvernement que nous gagnons en Haïti terminé par un coup d'État. La moitié. Soit l'histoire, presque la moitié. C'est un gouvernement entré, soit l'entrée pour 4 ans, l'entrée pour 5 ans, bien l'entrée pour 7, l'entrée pour ça. On te dit boum, et puis yon moun valet, yon font révolte, etc. Mettez-le dehors. Next gouvernement vini. Li vini le fait des ans, mettez-le dehors. L'autre, mettez-le dehors. Ça fait ça, mentalité de l'esclave.
Parce que esclave là pas vle yon autorité, esclave là pas vle yon soumission, esclave là pas vle yon ordre, esclave là pas vle yon stabilité. Si c'est dans le gouvernement le révolté, sous ses pasteurs en dans l'église là, li fait tip, il gros pile et puis le révolté. Si c'est dans le travail là, il est haïtien, li mette avec paquet l'autre haïtien, baguette, il fait complot pour yon méthode yon. Depuis c'est autorité le révolté, depuis c'est monde qui responsable le révolté, depuis c'est leader le révolté, même déclaré au nom de Jésus, ou transformé par le renouvellement de l'intelligence, dit de l'esclavage. Dit de l'esclavage. Dit de l'esclavage. Dit de l'esclavage. Yes. Sous garder la vie de Jésus, vous avez remarqué que Jésus pas ba nous un modèle de révolte. Jésus ba nous un modèle de soumission. En tant que fils. Alors, Mbatare m'a dit, c'est moi qui dis. On nous garde quelques versets dans la Bible. Gardez dans Jean chapitre 6, verset 38. On nous tous lit ensemble. Gardez qui ça le dit. Il dit qui ça? Il dit, car je suis descendu, qui ça? Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, dit Jésus dit comme ça. Jésus dit puisque moi-même moi pas esclave, même ses fils, l'homme ses fils, il dit me venir pour me faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'esclave, il est révolté contre la volonté du maître, mais le fils, il obéit à la volonté du père. Moi dit de l'esclavage. Moi dit de l'esclavage. Moi dit de l'esclavage. Gardez Jean chapitre 5 verset 19. En nous tous lis ensemble. Gardez qui ça Jésus dit. Il dit Jésus reprit la parole et leur dit. En nous lis ensemble qui ça le dit. Il dit en vérité qui ça le dit, le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et puis regardez qui ça le dit. Et puis il dit tout ce que le Père fait, il dit le Fils le fait pareillement. Est-ce que le Fils révolté ou bien le soumette? Est-ce que le révolté ou bien soumette? Est-ce qu'on révolté ou bien soumette? Moun kap fonctionner la mentalité de l'esclave, li toujours a fait tipil gros pile, li toujours a fait révolte, li toujours sous bougonné, li toujours sous fâché, li toujours gon bagay ki pa joine ni, li toujours gon tipil gros pile, li toujours gon bagay que la fait la font révolte, mais depuis moun a fonctionné non mentalité comme ça, son mentalité de l'esclave. Lors quitte mentalité de l'esclave ou entrer à la mentalité du fils, ou gon koto rive même avec Jésus, même les bagay la ta du bout et pour dire Seigneur non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça fait ça, moi c'est un fils. Moi dis de l'esclavage. Moi dis de l'esclavage. Moi dis de l'esclavage. Gardons l'autre verset pour montrer encore. Dans le modèle de la soumission. Dans Jean chapitre 4, verset 34. En nous lisant ensemble. Gardez Jésus qui a parlé, mes amis. Gardez qui ça le dit. Dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 34. Dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus t'a parlé avec disciples. Et puis il t'a voyé. Eh bien, à l'acheter pour lui. Les yo tourné. Yo dit Jésus qui sort à faire. Et pour passer tout le temps à manger. En nous lisant ensemble. Gardez ça, Jésus dit. Jésus dit ma volonté, ma volonté, ma volonté. C'est qui ça? Ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, pas ma volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Jésus dit, en tant que fils, qui ça me fait? Breakfast, volonté papa. Lunch, volonté papa. Snack, volonté papa. Dîner, volonté papa. Souper, volonté papa. Sous besoin de moi plein, et bien qui t'aime faire volonté papa. Sous besoin qu'elle me content, qui t'aime faire volonté papa. Sous besoin de jam, qui t'aime faire volonté papa. Jésus dit, nourriture moi, c'est faire volonté papa. Ça c'est la mentalité du fils. Dit de l'esclavage. Dit de l'esclavage. Dit de l'esclavage. Dit de l'esclavage. Maintenant, je dis ça. La soumission extrêmement importante. Pour qu'il sache parce que au niveau de puissance. Ah, Seigneur, au nom de Jésus. Priez que toute congrégation comprenne ce qu'a dit là.
prier que tout le monde cap tendez. Tendez non seulement avec oreilles mais avec cœur. Et yo pénétrer ça cap dire. Et vie yo capable de transformer par lui-même. Tendez. Gon dimension de puissance. Ou besoin gagner dans bon Dieu. Gon dimension d'autorité pour gagner dans bon Dieu. C'est seulement leur soumettre ou joindre une dimension de puissance ça et ou joindre une dimension d'autorité ça. Jésus illustrait nous ça lui-même dans Luc chapitre 7 que nous sommes liés. La Bible dit que tu as un homme, c'est ton centenier, qui a un serviteur qui est malade. Le serviteur est malade. Monsieur a le côté les juifs, les chefs des juifs, dans le Sanhédrin. Il dit, m'entendez, Jésus a fait miracle. M'entendez, Jésus guérit une femme de perte de sang. M'entendez, Jésus guérit un homme qui est Bartimée. M'entendez, Jésus guérit une femme syrophénicienne qui était une petite qui était possédée. M'entendez, Jésus parler avec, avec tempête et puis il tendait. Il parlait avec vent, il tendait. M'entendez, Jésus ça a ressuscité Jésus, Lazare d'entre les morts. Il dit, s'il vous plaît, à le côté Jésus, dis-le, moi, mon serviteur, moi, cap mourir. Monsieur, yo allait côté Jésus avec empressement. Il te prend parole là à cœur parce que cet homme, ce centenier, il te bâti une synagogue pour yo. Il te fait du bien à la communauté juive. Donc, yo allait rapidement, n'est-ce pas? Et puis, yo vini, il a parlé avec Jésus. Yo dit, Jésus, nous avons serviteur qui est malade, mais monsieur, c'est yon qui fait nous un pile bien, malgré lui-même, les païens, ils sont centeniers. Ça veut dire, ils sont romains, ils sont païens, mais ils font nous-mêmes juifs un pile bien. Donc, il dit comme ça, s'il vous plaît, allez pour vous souhaiter capable de guérir centenier ça qui est malade. Jésus dit pas qu'il y a un problème. Jésus mettait en route et puis l'aller pour guérir la maison. Homme ça, centenier ça, pour la guérir serviteur. Et pendant la route pour la guérir serviteur, il peut arriver dans la maison. C'est gardez, voyons monsieur sorti bien habillé, vint devant, habillé en militaire, parce qu'il y a un centenier, c'est un soldat. Romain, yon centenier c'est un soldat romain qui gagne 100 l'autre soldat en bas autorité. Un centenier c'est un soldat romain qui a supervisé 100 l'autre soldat. 100 more soldiers. Donc monsieur d'arrêt sous Jésus bien habillé en uniforme avec veille sous épaule, avec galon sous épaule et puis Jésus garde le nègre la cap vini et puis nègre la dit Jésus et serviteur nan malade. Jésus dit pas qu'il y a problème à venir la caillou. Il dit Jésus non. Il dit ou pas besoin venir la caillou moi. Il dit bon raison. D'ailleurs, il dit me pas senti digne pour ta venir la caillou moi. Me pas senti digne pour ta venir la caillou moi. Il dit d'ailleurs c'est ça qui fait moi même tellement senti me pas digne ou me pas venir côté personnellement. Me voyer l'autre monde à côté parce que me pas digne et bien pour mal côté. Comme ça tout me pas digne pour entrer la caillou moi. Il dit Jésus, me pas digne pour entrer la caillou moi. Il dit côté hier. Kotoyea, li di ou pas besoin entrer la caille moi, en y crété kotoyea et puis seulement prononcer une parole, seulement prononcer une parole et puis il dit serviteur nan capable guérir. Maintenant ta amour comprendre yon bagage. Monsieur dit seulement prononcer une parole. Remarquez cet homme était païen. Cet homme était païen. Cet homme n'avait pas la loi. Cet homme n'avait pas le Pentateuch. Cet homme n'avait pas la Genèse. Cet homme n'avait pas l'Exode. Nom ça pas connaît que l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Nom ça pas connaît eh bien que Jésus t'est fan la mer rouge en deux. Nom ça pas connaît que l'Éternel t'est fait soleil là camper eh bien en course lui. Comment nom ça fait convaincu que Jésus a autorité. Sous regardez dans Luc chapitre 7 dans verset 8 lorsque la parlé de Jésus en nous tous ensemble regardez qui ça dit Jésus dans version Darby il dit Jésus ça fait me connaît que au grand autorité il est toujours capable de parler et pour guérir serviteur maintenant en nous lit ensemble il dit car moi aussi il dit je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui ayant sous moi des soldats et puis il dit comme ça
moi-même, t'entendez bien, oui, qu'est-ce que verset là? Il dit, moi-même qui un soldat romain, moi-même qui un centenier, moi-même qui a supervisé 100 autres soldats, il dit, j'ai autorité en bas. Il dit, je suis un homme sous autorité. Ça veut dire, moi-même, moi j'ai autorité sous tête, moi j'ai autorité qui monte bureau, si je suis sergent, moi j'ai capitaine sous tête, moi, sous capitaine, gagné sous capitaine, gagné major, sous major, gagné colonel, sous colonel, la gagné général, sous général, la gagné le roi, sous le roi, gagné empereur, etc. Donc, moi remarquez que moi en bas autorité. Ça veut dire, moi-même, moi son centenier, mais sous tête, moi, gagné capitaine, sous tête, moi, gagné major, sous tête, moi, gagné général, sous tête, moi, gagné colonel, etc. Donc, il dit, moi, gagné, moi-même, il dit qui en bas autorité, il dit puisque moins en bas autorité, il dit comme ça, en lit encore, il dit qu'à moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui. Et puis il dit puisque je passe placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats, il dit je dis à l'un va et il va, et à un autre viens et il vient. Et à mon esclave, fais cela, il fait cela. Lui dit Jésus, moi-même qui place sous autorité, l'aime parler. Puisque je suis sous autorité, puisque je suis en bas autorité, yon sergent, puisque je suis en bas autorité, yon capitaine, puisque je suis en bas autorité, yon colonel, puisque je suis en bas autorité, yon major, puisque je suis en bas autorité, yon général, puisque je suis en bas autorité, César. Laisse César parler. Est-ce que vous entendez ça m'a dit là? Laisse César ba autorité là, là le jeune général là. Général ba la ba autorité là, là le jeune colonel là. Colonel là ba autorité là, là le jeune major. Major ba autorité là, là le jeune capitaine. Capitaine là ba autorité là, li vinn joindre moi en tant que sergent. Donc li dit comme ça, moi même puisque moi en bas autorité, l'aime parler. M'dit yon moun avancer, li avancer. L'aime dit il vini, li vini. L'aime dit il fait ça, li fait ça. Ça bon autorité ya. Autorité ya, c'est pas autorité pam lié. C'est parce que m'son soldat, sous tête moi grand capitaine, sous tête moi gagnon major, sous tête moi grand colonel, sous tête moi grand général, sous tête moi gagn César. Ça veut dire l'aime parler, c'est capitaine n'a parler. L'aime parler, c'est major a parler. L'aime parler, c'est colonel a parler. L'aime parler, c'est général a parler. L'aime parler, c'est roi César qui parler. Ça bon autorité parce que m'en bas autorité. Hey, vous comprenez ça me dit à gloire. Je me quitte l'armée, je me retire l'uniforme dans sous moi. Je me dis qu'on s'en va servir comme soldat dans l'armée encore. Toute autorité me gagne. M'a dit va, yo pas bralé encore. M'a dit viens, yo pas bralé encore. M'a dit fais cela, yo pas bralé encore. Je me retire comme en bas autorité. Même moment, moi perdu toute autorité que parole moi te gagne. Parce que m'a pas soumettre en bas personne. M'a pas en bas autorité personne. M'a pas placé en bas personne. Et puis, quand y a monsieur allé côté Jésus, il dit Jésus, même Jean, moi-même, moi en bas autorité, je suspecte que ou même ou en bas autorité tout. Je suspecte qu'on bas autorité. Parce que l'on a parlé, m'a dit comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. L'on a parlé, m'a dit là, vous dites comme ça, le Fils ne peut rien faire de par lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire le Père. L'on a parlé, m'a dit, le Fils est venu, non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père. Donc, je suspecte, même Jean, moi-même, moi en bas autorité. Et puis puisque m'en bas autorité, li bas autorité, ou même m'en bas autorité ciel là, ou en bas autorité qui pi gros, parce que autorité pas non, ou en bas autorité roi de roi, seigneur des seigneurs. Jésus, ou pas besoin d'entrer la caille, seulement parler. Puisque en bas autorité, ou gen puissance. Puisque en bas autorité, ou gen autorité. Puisque en bas autorité, parole ou gen valeur. Puisque en bas autorité, parole ou gen effet. Puisque en bas autorité, parole ou a produit. Levez-moi la dit gloire. Une dimension de puissance ou besoin dans la vie. Une dimension d'autorité ou besoin dans la vie. Une dimension de grâce ou besoin dans la vie. Seul Jean l'a manifesté, c'est le soumettre en bas une autorité. Parce que autorité, c'est ça qui fait rouler les chaînes. Il y aurait les chaînes de commandement. Chaînes de commandement. Le Père, bâille petite la autorité. Petite là,
bah Saint-Esprit autorité, Saint-Esprit bah serviteur l'autorité, différents serviteurs qui gagnent, et puis chaîne de commandement aller jusqu'à ce que le retourne vers le Père. Une dimension de puissance, il est possible pour expérimenter tout ton pas soumettre à bas autorité. C'est ça qui fait qu'elle fait mal pour moun qui pas marché dans aucune l'église, qui pas gain aucun pasteur, qui pas soumettre en bas aucun leader, et puis nous vont réunion de prière dans Kaili, la chasser démon. Ou fou, tête ou parti. Ou fou. Ou exposer tout caillou, toute la vie, ou tout mariage, ou tout petit monde dans caillou. Ou fou. Ou a chasser des démons, ou pas dans quel leader spirituel ou soumettre en bas. Ou pas marcher dans quelle église. Ou pas planter dans quel côté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Quoi élément? Nous connaissons ton ami. Et monsieur était dans une période de transition. Je ne connais pas si une période de transition, mais où qu'on voit des gens qui ont capacité, qui ont appel, bon Dieu, mais c'est généralement le type de monde qui sont tellement éduqué, tellement, il a maîtrisé la théologie, il a travaillé sous doctorat, il a fait différent. Je connais des gens qui tellement sont éduqués, il n'a pas senti qu'à baisser en bas personne. Donc, l'été dans l'église, il n'est pas là dans l'encore comme pasteur. L'été dans l'église comme pasteur, il n'est pas là dans l'encore. L'attente pour le qu'il est, pour bon Dieu t'a ouvert porte, pour le pasteur, non l'autre l'église. Mais puisque il quitte première l'église là, il n'est pas qu'on joue une deuxième l'église là. Mais non, mi-temps, côté bon Dieu pour qu'on balance l'église là, puisque lui c'est pasteur, lui c'est théologien, lui t'a dans gros l'église. Pendant l'attente, ni pour bon Dieu, ouvrons l'autre porte pour l'église, puisque c'est pasteur, il n'est pas d'accord, Alchita, normalement, tant que tout le monde. Ça veut dire, sorti dans l'église, l'attente pour entrer dans l'autre église. Pendant qu'on entre dans l'autre église là, papa, il était là, Kaili, il a gardé la prègle à faire, mais il n'a pas soumettre à personne. Zamim. Et puis, dans la période ça, monsieur Gadel, ouais, m'a prêché sous Jézabel. Monsieur Gadel, ouais, m'a prêché sous Jézabel, m'a chassé démon. Ah, monsieur dit, ça, Grégory a fait très intéressant. Comme dans la guerre, comme dans Tibaï, ça. Quel est Tibaï, Jézabel, la bien marché, hein? Moi, monsieur, comment c'est prêcher message Jézabel? Moi, tout côté, à jouer message Jézabel, etc. Quel est fond à fond, bah, non, Jézabel, là, tout. Monsieur Vini, là, Kaili. Ça y est, monsieur, quand je dis ça personnellement. Il vient là, Kaili. Il réunit un groupe de monde. Et puis, il commence à faire études bibliques sur Jézabel. Monsieur dit, moi, il commence à faire études bibliques sur Jézabel. Il dit, je commence à faire un cauchemar dans Kaila. Je commence à tendre toute bouille, je commence à voir toute bagaille. Il dit, même moment, madame, je perds du travail. Il dit, même moment, je fais accident machine. Machine n'a chaviré avec nous. Il dit, tout bien, je te gagne. Perdu tout, ça me pas connaît. Et puis il dit, Grégory, regardez, l'autre qu'on aime pas de chauve. Il dit, l'autre qu'on aime pas de chauve. Il retire le chapeau. Il dit, depuis, c'est cheveux dans la tête, maintenant. Il dit, diable, même cheveux sous tête, moi. Parce que ça qui passe, l'homme qui exerce puissance et pour bas ou pas en bas en quelle autorité ou vulnérable. À peu près, nous en 2019, nous crois que c'est 2016. Nous t'abral faire 40 jours jeunes là. Et puis nous commençons à prier avant 40 jours jeunes là, mon Dieu. Nous disons, Seigneur, nous pourrons faire 40 jours jeunes. Nous t'a remis expérimenter des miracles que nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Qui ça vous fait? Je n'ai jamais oublié ça, mon Dieu dit. Il dit, lis le Nouveau Testament trois fois sous genoux. Il dit, lis le Nouveau Testament de Matthieu à Genèse, trois fois sous genoux. Et puis il dit, deuxièmement, honore ton père spirituel. Il dit, lis le Nouveau Testament et honore ton père spirituel.
Malem vini pour un temps avant 40 jours jeune et puis mettel à part m'a li le nouveau testament etc sous genou et puis malé mal jeune en papi prudent me dit papi prudent et nous bral commencer 4 jours bon Dieu dit moi comme ça honore ton père spirituel donc dans 40 jours on bral commencer ya m'pa vle c'est moi qui pour bail coup d'alarme pour me dire 40 jours à commencer m'ta remet c'est ou même comme une autorité sur ma vie qui pour camper devant toute communauté ya pour dire les 40 jours de jeûne sont ouverts au nom de Jésus. Dit me voulez c'est ou même qui pour ouvrir les 40 jours. Et puis pasteur prudent vini l'ouvert, il prier avec toute mamie prudent, avec toute famille hein, et puis yo prier, yo déclarer ouvert les 40 jours de jeûne. Et me songer après sa fin fête ouvert les 40 jours de jeûne, c'est là ça dans 40 jours de jeûne. Moi quoi c'était même première semaine là, si me rappelle bien, mais définitivement pas deux semaines dans 40 jours de jeûne et puis nous commencer 40 jours de jeûne comme ça et puis c'est garder ma font prière là. Eh bien non, I know who I am. Je sais qui je suis. Et puis quand on m'a prié, on dit tout le monde répétez ça. Dit Seigneur, mettez-moi lou dans zo moi. Combien on dit on a prié ça? M'a dit Seigneur, mettez-moi lou dans zo moi. Manifestez divinité on a la vie etc. Et puis grand servant qui était Orlando, nous songeait histoire ça. Et puis le grand petit, eh bien depuis de naissance qui pas attendait, qui pas parler et puis le temps de n'a fait prière et Seigneur mettez-moi l'ou dans somme et puis même côté maman et puis il mettait main dans oreille et puis il commençait faire prière et puis dans nuit pendant faire prière petite li a dormi dans demain matin levé li garde le petite la sorti sans appareil là elle connaît ça appareil là monsieur pas dans rien il connaît ça appareil là machine capable frapper il connaît ça appareil là capable faire en ville accident et puis les monsieur retourner la fait petite la signe la dit comme ça junior comment faire sortir dehors sans appareil là ça appareil là où qu'on n'ont pas fonctionner nous songe témoignage li c'est là sa petite la ouvert bouche li li dit maman pas besoin encore moins tendez dans ministère nous te en pile miracle même pas jamais ouais côté yon moun te né et bien soude et puis il te né bébé et puis à l'âge de 42 ans et puis pour la puissance de Dieu te traversé là même moment ça fait et puis me songe prier me te faire l'éternel là me te dit Seigneur qui ça me fait pour marcher dans une nouvelle dimension de puissance il dit honorer papa spirituel il dit apprécier papa spirituel il dit lever papa spirituel parce que depuis on bas autorité a vienne joindre nous depuis on bas puissance a vienne joindre nous depuis moi bas grâce à vienne joindre nous levez-moi à la dit gloire depuis moi bas pouvoir vienne joindre nous levez-moi à la dit gloire l'homme pas en bas autorité spirituelle si autorité qu'on gagne nanti prier pau nanti bay pau etc. c'est ça seulement gagne l'homme était en bas yon autorité spirituelle yon père spirituel yon mère spirituelle li signifie non seulement ou gagne autorité pau là mais si homme de Dieu ça gagne 40 ans dans le ministère li pas gagne rien il fait encore que prier il y a 50 ans dans le ministère, chaque année, il a fait 7 jours jeunes, 3 jours jeunes, 21 jours jeunes, 41 jours jeunes, etc. Pendant que météo en bas, autorité là, ça veut dire toute grâce à eux que le fait, les joindre pendant la prière 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pendant que connecter en bas, et puis toute grâce à eux commencer depuis en 1964, 1952, 1972, et puis c'est cadeau, mais toute grâce à venir joindre nous. Si vous comprenez, ça me dit à Dim gloire. Mais les gens qui ont la mentalité esclave là, pas d'accord ça. Ça, monsieur, là, je vais à l'école même avec une maman. Ça, je vais à l'école. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Quand je parle français, je parle français. Ou qu'à prêcher, je vais prêcher. Ou qu'on onction, je vais onction. Nous tous, nous avons onction, mais nous avons même dimension d'onction. Yes. Nous tous, nous avons onction, mais nous avons même dimension d'onction. Nous tous qui nous sommes soldats dans la mer, mais nous pas même qui même grade dans la mer. Attention, papa. Attention, papa. Nous tous les deux soldats.
Nous tous les deux dans l'armée. Mais il y a un monde qui est sergent, il y a un autre qui est capitaine, il y a un autre qui est colonel, il y a un autre qui est major, il y a un autre qui est général. Nous tous habillés en militaire, mais nous tous pas de même grade. Mais l'homme mettait en bas autorité. Ça, c'est une plus grande bagarre. Et une plus grande grâce qu'on est capable de gagner. L'on connecté avec un homme ou une femme de Dieu qui a une carrière avec mon Dieu. Grâce qui sous la ville là, avant grâce à arriver, côté le rivière, il prend des années de prière. Il prend des années de jeûne. Il prend des années de combat. Il prend des années d'humiliation. Pour grâce dans la ville là, il gagne. L'on connecté avec elle. Grâce. Qui ça? Salmiste en dit nous, dans Somme 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Il dit comme ça, c'est comme l'huile. Et puis il dit, qui ça l'huile l'a représenté? Onction. C'est comme l'huile qui descend. Sur la tête d'Araon, premièrement. Après le film descend sur la tête d'Araon, descend dans Babaraon. Après le film descend dans Babaraon, l'huile la descend sous Borabao. Ça veut dire pour connecter avec Araon, l'huile sous. Ou dans Babaraon, l'huile. Ou dans mer Araon, l'huile. Ou dans pied Araon, l'huile. Ou dans l'estomac Araon, l'huile. Ou en bas vota. De pour connecter avec Araon, l'huile qui sous tête l'IA descend sous. Sous comprendre, ça me dit à dire gloire. C'est ça que fait les gens qui sont esclaves là. Les gens doivent faire jolé, mais ils ne doivent jamais avoir puissance. Occupez. Ou mettre la palle en pile, ils ne doivent pas gagner. Les gens doivent faire jolé, les gens doivent parler en pile, les gens doivent sembler, ou elles peuvent les font monter. Et puis ils semblent en feu de paille. Après trois ans, chercher le code. Quand les gens ne doivent pas, ils disparaissent. C'est de l'esclavage. De l'esclavage. T'as des derniers bagages, moi je l'ai dit. Où est pour soumettre? La Bible dit dans Matthieu 11. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, il dit jusqu'à aujourd'hui, il dit le royaume des cieux est forcé. Et puis il dit, ce sont les violents. Où est pour marcher dans la soumission? Pour marcher dans la soumission, il faut violent. Pour soumettre en bas l'autre monde, il faut violent. Pour qui ça? Parce que la nature humaine, nature esclave que nous prenons depuis Adam, refuser soumettre. Yon ti moun lèl fait. Li tout fait avec rébellion nan corsage li. Oui, rébellion nan corsage li. Ti moun nan pa arrête là, etc. Ou gade ou el gen doa, li commence à grandir là, il gen 2 ans baga, etc. Ou bal, li pran ti candy nan men, li gon ti candy, et pou gade ou el bral manger. Ou di baby, no, ou di baby, it's late, it's 10 o'clock. You cannot eat it now. You'll have it too. Ou gana pala avel bien. My baby, it's 10 o'clock. It's too late. You can have it tomorrow. Let me take it. I want my candy. Est-ce que c'est où montrer le fait ça? Non. Il est naturel. La nature humaine faite avec rébellion. Li fait là avec rébellion, li là-dedans, li l'enjeune nous. Donc cela veut dire pour un monde qui arrive dans une dimension, quand elle qu'a soumettre lui, faut l'évangile entrer en dedans, faut l'évangile transformer, faut l'évangile manier, faut l'évangile nettoyer, faut l'évangile lever, faut l'évangile convertir. Parce que de nature rébellion à la carne. Spirituellement, plus l'on va dans la nature historique là, il renforce et plus. Donc nous avons la rébellion naturellement chez nous. Donc cela veut dire, pour yon moun
qu'à soumettre. Jean-Jésus te soumettre avec papa. Fort violent. Fort violent sous la chair. Nous t'en laissons dire. Fort violent sous la chair. Jésus te dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans Matthieu chapitre 26. En pile fois, nous dit, Jésus dit, non pas ma volonté, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais pour Jésus, t'es qu'à maîtriser la chair. Quand elle dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible dit, il fait toute une nuit à prier. La Bible dit comme ça, l'aller à trois reprises, faisant les mêmes prières. Pour te qu'à briser la chair. Parce que quand on est Jésus, Jésus finit un accord avec papa, le bras mourir. Il finit une entente avec papa que le bras mourir. Les bagarres arrivent, Jésus commence à entendre une voix qui dit là-dedans, la croix trop dure, la croix trop difficile, et vous comprenez, tout jouet, c'est jouet, cochette pas là-dedans. Il commence à entendre un paquet de bagarres. Jésus obligé de faire nuit dans la prière pour briser la chair. Côté pour dire non, pas ma volonté. Mais même pas. Si Jésus était Jésus, Jésus était Jésus, obligé font nuit à prier, gloire à courir sous lui, gros quand elle va gagner de l'eau encore sans pour le couper la chair. Et moi, avec. Même déclare, on va passer de l'esclavage. 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 Je vais terminer avec ça, je vais dire ça. Gain pasteur. Gain pasteur Castanon qui ont bons amis moi. Il était prêché là dans 40 jours. En pile nous pas connaît que pasteur Yvan gon l'autre ami, li gon l'autre et jumeau qui relé Yves. Ça c'est un témoignage que monsieur te bail dans l'église ICC une fois pendant ta prêché. Il dit là yo te commencé l'église là ensemble. Impact Saint Chrétien à Paris. Yo, d'ailleurs, depuis la yo piti, deux frères jumeaux sa yo, yo toujours ensemble. Tout ça y a fait ensemble, l'école ensemble, université ensemble, les yo vingé business, yo ouvert business à Paris ensemble. Tout ça y a fait, yo fait ensemble. Et puis, puisque c'est deux frères jumeaux, ça veut dire, yo toujours sous même pied d'égalité, yon ba l'opinion, l'autre la ba opinion, et puis yo collaborer ensemble. Là, ils ont commencé l'église là. Ils ont commencé l'église là ensemble. Ils ont commencé l'ensemble. Et puis, là, ils ont commencé, on l'a une prêchée, on l'a l'autre la prêchée, etc. Ils ont commencé l'église ensemble. Mais, soudainement, c'est gardé le monde dans l'église, yo, et on dirait, il y a un frère, qui Yves lui remarquait que il sentit mon yo commencer bon ti affection ti gens plus particulière pour pasteur Yvan il y a quelquefois la barre comprendre moi les venir parler par le pasteur Yvan pasteur il y a quelquefois lui même yo passer sous lui oublier reler le pasteur et le pasteur il va prêcher mon yo dit gros amen mais la prêcher amen non ti gens mal qu'a dit comprendre même pas exactement. Il commence à noter ces bagages yo, mais c'est de temps en temps le garder, on dirait que frère jumeau a, yo te commence ensemble, il senti la prend le dessus sur lui. La prend le dessus. Et puis il dit pendant ça commence à briver, propre frère jumeau lui. Il dit propre frère jumeau yo levé ensemble, yo gain même l'âge à la même école, dans même business, yo commence à ministrer ensemble. Et puis il commence à sentir un bagaille. Il commence à sentir mal à l'aise par rapport avec propre frère jumeau pas. Et puis il dit c'est garder. Et puis il dit tant a passé, tant que moun yo a fait des choses, tant que moun yo a fait des commentaires, tant que moun yo a fait des réactions avec des messages, c'est quand on dirait bon quand il arrive, il sentit tout carrément et puis il sentit il gain jalousie qui veut remplir le cœur. Monsieur dit comme ça. Tendez-vous. L'œil commence à être jal parce que, avec le temps, il vient rendre compte de tout. Jean l'a mon lui a réagi. Jean l'a grâce, bon Dieu, qui sous la vie l'autre frère. L'œil a prêché. Connexion que bon Dieu a l'autre frère avec mon nom. Il vient conclure que, pour travailler ça, bon Dieu relé frère. Mais humainement, puisque ils ont toujours travaillé ensemble, ils ont fait ministère ensemble.
yo commencé l'église ensemble. Ou pas qu'on ait quelque baga ou qu'on est dans l'esprit ou mais lâché, pas d'accord? Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Quelqu'un qui comprend ça m'a dit là? Ok, je comprends. Quelque baga ou qu'on est dans l'esprit ou mais lâché, pas d'accord? Mais monsieur dit dans l'esprit il connaît mais lâché, pas d'accord. Monsieur dit bonjour. Il rentre dans chambre de prière. Il dit m'a pas entré dans chambre ça. Il dit m'a pas sorti avec jalousie. Il dit m'a pas sorti avec frustration. Il dit m'a pas sorti avec colère. Monsieur dit l'entrée dans chambre de prière. Il entre dans chambre de prière. Il commence à chanter et puis il commence à prier. Il dit il prie. Il dit la prière. Et puis il dit quand quand elle arrive dans prière, il commence à dire tête lui, besoin qu'on la parle à tête lui que les Yves, même j'en connais quelquefois fois parle avec Namou, mon âme retourne à ton repos car l'Éternel a fait du bien. Il dit il commence à parler à tête lui, il relève non. Il dit il besoin fort qu'on est que bon Dieu parle l'eau pour pasteur principal ou c'est assistant pasteur déclaré ou pas premier. Donc il commence à dire tête lui, pas vrai premier. Bon Dieu parle l'aime pour premier. Position, c'est pas premier. Position, c'est deuxième. La chair, c'est pour d'accord à deuxième. C'est pour content à deuxième. C'est pour contenter à deuxième. C'est pour célébrer deuxième. C'est pour manifester deuxième. Pas d'accord premier. Me refuser premier. Me révolter contre premier. Me renoncer à premier. Me prendre position comme deuxième. Ça, c'est la violence. Dis violence. Il dit à partir d'aujourd'hui. C'est pour me prendre position comme assistant. Je ne pas égal. Je ne pas co-pasteur, je ne pas égal. Je suis assistant. Je prends position comme assistant. Je ne pas premier. Je suis deuxième. Je prends position comme deuxième. Monsieur dit, il prie. Jusqu'à ce que le senti libéré. Le senti fardeau à lever. Libéral sorti dans la chambre. Non? Et puis il tendait la voix de Dieu parler avec elle. Après tel tant d'années, tant de d'heures de prière, pendant qu'elle finit tant de prière, là il tendait la voix de Dieu parler avec elle. Bon Dieu dit comme ça, lieu de bénédiction, c'est pas Paris, c'est Congo. Il dit, les gens t'appellent pour Paris. Bon Dieu dit, c'est pas Paris, ma bénie. Il dit comme ça, m'bral béni au Congo. Bon Dieu fin dit ça, c'est gardez-le, ouais, quelques mois passés, etc. Et puis, il a fait élection au Congo, et puis un nouveau président monté, et puis nouveau président a cherché un monde qui est responsable. Tout système de communication dans le pays, que c'est satellite, que c'est radio, que c'est cell phone, que c'est quel que soit ça, il y a cherché un monde, et puis le président dit seul monde capable de penser, c'est Yves. Oh, alléluia! Et puis le monsieur dit est-ce qu'on a quitté Paris pour entrer au Congo parce que mon job ministre vous? Et puis monsieur est rentré, et puis qu'on y a lui-même, living ministre. Pendant le vin ministre, là, c'est garder. Bon Dieu bénit financièrement. Bon Dieu bénit. Premièrement, libayon respect dans le pays. Le monsieur vin ministre, libati. Bon, par contre, pour Kounia, mais le monsieur te fait monter. Jusqu'alors, c'était plus gros building. M'kwa yo te bâti dans le pays. Plus gros building. L'État te bâti dans le pays. M'kwa c'est à peu près 100 millions de dollars. Donc, les monsieur vini, li bâti building, ça vini, plus grand building que institution, l'État que gagne. Chaque président a parlé, li dit toute l'autre ministre, ou même, ministre de l'Intérieur, pourquoi pas fait un coup, monsieur? Pourquoi pas fait? Ministre pas fait un coup, ministre. Monsieur vini, gon jalousie contre monsieur, parce que président tellement remé, monsieur, pays a tellement remé, monsieur, monsieur gon paquet si jeune, qui était l'église là avec elle, li prend si jeune, qui était à Paris avec elle, qui était dans la communication, ça qui étudie informatique, ça qui étudie, etc. Yo était déjà connecté. Avec les en dans l'église, il était déjà formé, il était déjà une culture, il prend tout, il entre au Congo avec eux, il formé en boîte, il y a des résultats, il y a des productivités, il y a fait des choses marcher, tout pays a géo sous monsieur, et puis en même temps tout, il commence à bénir. Il dit non, gens qu'on pas imaginé ou pas pensé, et puis bon Dieu vient en béni. Moun yo pas connecté avec eux, il t'a parlé musulman.
musulman, moun ki pa konverti, an li paret. Et puis il dit comme ça, est-ce qu'on besoin appartement, m'a ba ou, est-ce qu'on besoin terrain, m'a ba ou, est-ce qu'on besoin l'offre de terrain, est-ce qu'on gagne l'argent pour construire, non, pas gagne l'argent pour construire. Pas de problème, que compagnie de construction m'a construit pour. Il dit c'est garder, garder où elle commence à bénir. Il commence à bénir financièrement. Et puis Kounia, monsieur bail témoignage. Dans dimanche matin, l'elle bail témoignage. Pasteur Yvan T. là, il tape dans des témoignages là. En après, l'aller côté frère là en privé. Et, il dit, frère, où t'as souffri tout? Monsieur dit, comment vous voulez dire que t'as souffri? Ou t'as souffri tout? Ça, vous voulez dire partout. Li dit oui, ou même ou tap dit t'as souffri, mais moi-même, femme tap dit comment m'a souffri. Li dit comme ça, nous commençons à Paris ensemble, nous te gagnons business ensemble, nous commençons l'église là ensemble. L'Éternel prend, l'alvoyo au Congo, l'alvoyo au Congo, c'est garder, m'garder, moi j'ai position. Les montres à Paris, mal visite, m'garder, moi c'est limousine, machine diplomatique, garde du corps, à venir rencontrer, depuis un avion, m'garder, moi, mon ap salué, depuis y a entré, y a dit garde à vous, m'garder, moi béni. Financièrement ou à béni économiquement, même si moun kote men avec yo même y'a béni. Tandis que moi même là dans l'église là m'a braclé bagay yo pas bon pour moi bagay pour qu'on vienne marcher. Donc il dit ou même ou t'es jaloux de moi même maintenant comme tout moi même m'tap gade etc. Et puis l'Éternel dit que leader spirituel là c'est ou même. Mais leader économique là, mon bral béni, c'est l'autre frère. Pendant connecté avec l'autre frère, ça veut dire dans les choses spirituelles, frère bral soumettre en bas, dans les choses économiques, et puis ou même ou bral soumettre en bas l'autre frère. My goodness. Levez-moi à la gloire. À travers ou même grâce spirituelle bral entrer dans la vie l'autre frère, à travers l'autre frère, grâce économique bral entrer. Mais pour ça t'es fait, faut t'entrer dans une chambre de prière. Et puis pour te faire violence sous tête. Pour te dire rébellion, ça n'a pas continué. Jalousie, ça n'a pas continué. Colère, ça n'a pas continué. Il fait violence. Et puis il brise. Assoyez à un esclavage à héritage. Souvelez entrer dans l'héritage. Mentalité de l'esclave, pas maintenant là. Mentalité de révolte, pas maintenant là. Mentalité bougonnée, pas maintenant là. Mentalité frustration, pas maintenant là. Ça qu'a mené, c'est leur apprendre à soumettre à quel que soit monde que bon Dieu mettait sous tes toits. L'homme dit ça, c'est pas seulement pasteur, non? La Bible dit obéissez à vos leaders au pluriel. Quel que soit leader, bon Dieu, mettez sous tes toits. Que c'est un pasteur, que c'est un HP leader, que c'est un leader ministériel, que c'est un de la caille ou des parents, que c'est mari, que c'est boss, ou que soit, etc. Pendant qu'on pratique la soumission, on a un cœur de fils, on a une puissance de fils, et on a une grâce de fils. Que bon Dieu bénisse.